Bonjour à toi, chère réalisatrice de cœur, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais te partager une information que j'ai souvent à faire en coaching, et une cliente ce matin me l'a re-rappelée à travers cette citation, c'est-à-dire que les miracles apparaissent au moment où nous choisissons d'apprendre de nos difficultés. Mais choisir d'apprendre de nos difficultés, c'est accepter de devenir enseignable. C'est-à-dire qu'en coaching, arrivé au deuxième mois, mes clientes sont en overdose, c'est-à-dire qu'elles ont emmagasiné beaucoup de changements, beaucoup de connaissances, beaucoup de transformations et le verre, la coupe est pleine. Donc souvent, je leur fais un nettoyage énergétique pour vider les énergies usagées, les consciences auxquelles elles ne se définissent plus, les croyances auxquelles elles ne se définissent plus aussi. On vide tout ça, on nettoie, on vide le verre et ensuite, bah, c'est le jeu de la vie, de l'évolution, on le remplit avec d'autres croyances. Et c'est tout le jeu de l'évolution. Donc ça se passe souvent à partir du deuxième mois avec moi. Elles ont ce moment de down et je sais qu'elles sont dans leur limite supérieure ou alors la coupe est pleine. Donc on fait les deux, le nettoyage, pour qu'elles se dépassent. Donc essaie de voir quelle est ta capacité, ta volonté de changer, ta volonté d'apprendre. Et ta capacité à être enseignable, parce qu'il y a des personnes qui sont plus enseignables que d'autres. Et ce n'est pas une question de discipline ou d'indiscipline, ça on s'en fiche, c'est encore autre chose. C'est plus une question, ok, bah, il faut toujours passer, entre guillemets, par des moments difficiles pour devenir enseignable, alors que tu peux juste décider d'être enseignable dans la facilité. C'est juste un choix d'écouter, voilà, les synchronicités de la vie. Tu vois, moi, ce matin, la cliente, elle parle de ça. L'après-midi, je connecte avec une vidéo sur YouTube et je me dis, bah oui, c'est le lien. Et en même temps, ça me fait prendre une prise de conscience sur mon mois dernier. Donc, pourquoi avoir une difficulté et ensuite apprendre? C'est tout le jeu de l'être humain incarné sur cette terre. Donc voilà, la citation sur laquelle j'aimerais finir ce podcast, c'est n'oublie pas, les miracles apparaissent au moment où nous choisissons d'apprendre de nos difficultés. C'est bien souvent, on apprend plus vite dans la douleur, et c'est chiant, j'avoue, c'est chiant, que dans la facilité et la simplicité. Mais les choses pourraient être beaucoup plus faciles, il suffit juste de le décider, de se faire accompagner, de se faire coacher, de se dépasser. Et qui vivra verra. Merci à toi, ton écoute.